parler. Je suis le dernier esprit de la lumière à être prisonnier du crépuscule. Héros élu des déesses, tu es venu à point. Retrouve la lumière dérobée par les créatures des ombres, ceci te servira de réceptacle. Vous obtenez le calice de lumière, ce précieux bijou sert à réunir les perles de lumière. Remplissez blablabla, on connaît. On connaît! Les insectes des ombres qui ont dérobé la lumière ne te sont pas inconnus. Dans le crépuscule, ce monde des ombres, les insectes des ombres ne peuvent pas être bus tout comme les humains. Récupère ma lumière pour les libérer, les dernières terres déroulent encore sous le joug du crépuscule. Ok. Ok, clairement. On va faire du coup faire les calices. Attaquer donc les machins bidules. Hein. Les petits insectes. On a clairement un là déjà. Qu'on a clairement pu voir. Hop, le sens. Où es-tu, petit volarien? Volarien. Vaurien. Hop. Aïe, hop. Voilà. Voilà. Ça. On en a un. Il y en a un autre, normalement, là-bas. Qu'on voit d'ailleurs. Hein. Ah. La chasse aux insectes, le retour. Exactement. La chasse aux insectes. Bon. Que je capte un peu ce qu'il faut que je fasse, là. Ok. Ok, toi, je vais te tuer à part. Hop. Ok. Et toi, viens. Toi, viens. Allez, quand... Allez. Petit Boblos. Petit Boblos, allez, viens. Allez, viens. Hop, voilà. T'es pas en mode héroïque? Si, si, je suis en mode héroïque. Je suis totalement en mode héroïque. Je suis totalement en mode héroïque. Pourquoi? Pourquoi cette question? Voilà, bah, ça c'est le deuxième. Ça c'est le deuxième. Ensuite nous avons un troisième qui est totalement à l'autre bout de la map. Alors. Voilà, super. Troisième petit truc. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire. Normalement les petits bestiaux, ça va normalement assez vite. Hein. Normalement dans une demi-heure on a terminé. Hein. Normalement. Je dis bien normalement parce qu'il y a un truc spécial en fait. Alors, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il me semble qu'il y a des bestioles pendant le vol.
Ouais, y a clairement des bestioles. Hein. Y a clairement des bestioles. Hein. Foncez! Voilà. Hop, un calice. Pendant le vol, il y a des insectes. Oui, il y a des insectes. Ah mais non, mais je me suis pris le truc. Super. Je peux pas nager le Link loup normalement. Si, mais tu vois mal un Link loup faire un courant. Ah non, non, reviens toi, reviens, reviens. Bah, passe devant. Oh non! Voilà, super, je suis passé. Maintenant, faut que j'attende l'autre là. Vas-y, passe l'autre là. Bon, je me suis suicidé. Mais c'était pour choper l'autre en fait. Ne pas se fail. Ne pas se fail. Et c'est le fail. Oh non, pourquoi t'as fait ça? Oui, oui, non, non, oui. Oui, oui, vas-y, chope-le s'il te plaît. Mais non, mais... Putain, mais pourquoi il va là-haut, ce fils? Hop, vas-y, chope. Mais chope-le, là. Mais... Super, super. Fucking. Mais bordel. Tu vas attraper ce truc. Ah bah voilà. Enfin. Moi, une fois dans ma MK, j'ai balancé la manette. Bon. Est-ce qu'il y a-t-il des trucs ici? Ah oui, il y a clairement un truc. Il y a un truc là. Écoutez. Hé, hey, c'est quoi? Un insecte? Burk, mais ça n'a pas le droit d'être aussi énorme. Ah, j'en ai marre de la campagne. Ça s'appelle pas la campagne. La campagne d'Hyrule. Hop, tu meurs, voilà. Donc on a déjà 7. 7 trucs, c'est pas mal. Hein. 7 trucs, c'est déjà pas mal. Donc, là, on peut passer par là. Ok. Okidoki. Oh là 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 là, c'est pas stable le truc. C'est pas stable du tout. Là, par contre, on peut récupérer la petite stèle, qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Et écoutez. Ok. Oh là, oh là, non, c'était nul, c'était nul, c'était nul. C'était pas ça du tout, c'était pas ça du tout. Voilà, ça c'était mieux. Comment un insecte peut être plus rapide qu'un dragon, what the fuck?
Hurler. Voilà, c'est bon. Bon, en fait, c'était simple. Celui-là était plus simple que le premier, hein, que le deuxième plutôt. Le deuxième était casse-couille. Je vais t'initier aux techniques des héros de Jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Blablabla, on connaît le bordel. Reste du pro de la musique. Et ouais, hein. Exactement. Et le petit truc ici. Alors, il me semble, effectivement, il me semble, que là, il y a un petit point. Et là, il y a deux points. Ok, j'ai cru que c'était un point, mais non. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et il y en a un ici. Voilà. Il y a une théorie sur le loup. En fait, c'est l'une de. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Je sais, tu me l'as déjà dit. Donc nous, moi, il faut qu'on aille par là-bas. Nous, il faut qu'on aille par là. Donc, il y en a un qui est appuyé à skip en plein milieu. Ouais. Bonjour. Allez, come on, baby. Hop. Super. Ça c'est de le fail. Voilà. Voilà. Ensuite, il y en a un autre qui est là-haut. Donc on va monter du coup. Il n'y a pas Garim. Ah non, mauvais Zelda. Non, Garim c'est Skyward Sword. Garim c'est Skyward Sword. Et on peut monter par là. Et oui, on peut monter par là. Vas-y, montons par là. Hop, voilà. Alors là, il y a deux chemins. Là, il y a deux chemins. Est-ce que c'est... Je pense que c'est celui-là. Hein. Oh, un magnifique petit coffre. Ouvrir. 20 rubis. Quelle joie. Quelle joie je suis. Vas-y, passe. Non, mais... Ça me saoule. Ah, mais en fait, on pouvait passer par là. Mais pourquoi je me suis embêté, en fait? Rubis jaune, ok. Bon, par contre, il va falloir revenir par là-bas. Il va falloir revenir par là-bas. Parce qu'il va falloir qu'on monte tout en haut. Va falloir qu'on monte tout en haut. On va falloir que je revienne par là. Hop, voilà. Voilà, nickel. Nickel pépère, là on va par là. Mais là on ne peut pas passer parce qu'il y a la chute d'eau. Du coup c'est par là. Il y a combien d'insectes? Il y en a 2, 4, 6, 8, 12. 12?
Donc voilà, on est enfin là-haut. Donc on va donc pouvoir chercher notre avant-dernier insecte, entre guillemets. Donc là, on peut voir qu'il y a les magnifiques zoras qui sont ici, pépouses, qui sont voilà, là. Et y a... on peut leur parler, mais c'est pas très grave, on va pas leur parler. Moi, ce que je recherche, c'est l'insecte. C'est l'insecte qui est censé être là. Ah, t'es là-haut, toi, ok, d'accord. Hop! Mais comment je t'attire ton attention, trou du cul, là? Allez, t'es là, ok. Bonjour! Hop! Allez, viens! Donc voilà, il reste encore deux trucs. Il reste deux trucs. Donc on va devoir là se téléporter. On va donc là se téléporter. Non, c'est pas ça, comment? C'est pas là. Donc là, on va se téléporter. Qu'est-ce que tu veux? Oui, que tu me téléportes. Que tu me téléportes au... Je peux pas aller là. Hein. Moi, ce que je veux, c'est aller là, en fait. Du coup, non. Du coup, ça sera via la cascade. Et du coup, ça sera via la cascade. Via la rivière, plutôt. Parce que, petit tips, on peut passer, effectivement, avec le lac d'Ilia jusqu'au château d'Hyrule. Eh oui. Rivière Zora, voilà, nickel. Faut juste que je prenne cette truc. Faut juste que je prenne celui-là. Et on est au château d'Hyrule. Normalement, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on arrive au château d'Hyrule. Et on arrive au château d'Hyrule. Enfin, on arrive quasiment au château d'Hyrule. Enfin, on est au château d'Hyrule, en fait. On est quasiment au château d'Hyrule. Donc, hop, c'est par là qu'il faut que j'aille, moi. Passe, s'il te plaît. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aller tout droit et récupérer notre magnifique petit monstre qui est actuellement dans le château. En fait, je pense que Link, il n'a pas de compagnon dans Breath of the Wild. Non, il n'y a pas de compagnon, non. Son compagnon, c'est la paravoile. Paravoile? Ouais, c'est ça, c'est paravoile. Hein. Donc là, on peut voir que le loup est là. Mais là on n'est pas en épée. Du coup on reviendra plus tard. Ah bonjour. Bonjour, bonjour. Ok, il y en a trois. Ok, il y en a trois. Donc où sont les trois? Donc on va clairement en faire un. Hop, voilà. Et les deux autres, bonjour, venez. Et voilà. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ces mobs-là, en fait, c'est pas des mobs super compliqués à battre. C'est même des mobs ultra faciles à battre.
Donc hop, on va donc aller on va aller dans la petite ruelle là normalement. Ah non, bah je suis déjà passé, mais c'est pas très grave. On va aller en bas. Voilà. Voilà. Hein, c'est bizarre. Il en manque une. Où est passée la dernière perle? Quoi? La voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Eh oui, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Bon, après, moi je connais le jeu donc je suis pas du tout surpris. Mais là, ça va être. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout si je vais mourir ou pas. C'est possible que je meure. La perle, elle est au milieu au lac Ilia. Ouais. Elle est au lac Ilia. Bonjour. Donc ça, c'est un peu le boss des insectes, hein. Ah, je me suis fait toucher. Je fais quoi là déjà? Je sais faire quoi là en fait? Je sais faire quoi là en fait?
Moi, je suis censé faire un espèce de coup de grâce, un truc comme ça, mais là, je... C'est vrai que j'ai pas le truc, en fait. Demande ses pattes. Non, c'est pas ça. Ah bah, super, je suis mort. Allô, monte. Voilà. Fallait faire ça. J'avais totalement oublié cette attaque, en fait. J'avais totalement oublié cette attaque. Vous avez rempli le calice de la lumière. Vous avez amené la lumière sur cette terre. Tu dois absolument trouver le dernier cristal d'ombre. À plus. Mon nom est Lanelle. Grâce à toi, les esprits de la lumière ont retrouvé leur place en le royaume d'Hyrule. Ô toi, héros élu des déesses, le sombre pouvoir dont tu es à la recherche, ce terrible pouvoir repose au sein du temple au fond du lac Ilia. T'as pas encore la Master Sword? Ah non, là c'est dans longtemps. Cependant, n'oublie pas ceci. Les déesses nous avaient confié la tâche de sceller ce pouvoir interdit ainsi que nul ne l'utilise. Nos amants n'auraient rien existé d'autre que le chaos, les déesses vinrent et créèrent vie et ordre. Elles allouèrent du pouvoir en égale proportion à toutes les créatures, puis regagnèrent les cieux. Le lieu que les déesses foulèrent quand elles décidèrent des cieux était appelé. Je sais plus, j'ai pas eu le temps de dire. Les siècles passèrent et toutes les créatures pétries de sagesse et au cœur pur vivaient en paix. Cependant, l'existence de cette terre sacrée finit bientôt par se recevoir dans tout Hyrule et elle. J'ai pas le temps de lire.
Héro à l'œil des déesses prend garde. L'imprudent qui se saisit d'un tel pouvoir bien souvent ne tarde pas à tomber sous son emprise. N'oublie jamais cette terrible vérité. La cinématique de la drogue. C'était la drogue. Le terrifiant pouvoir dont tu es en quête repose au sein du lac, du temple. Il est caché au fond du lac Ilia. Et donc, c'est parti. On va pas du tout aller au temple maintenant. Nous irons au prochain live.